tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, un petit changement de décor, j'avais envie de me mettre à l'étage où il y a du soleil. Donc j'en profite, j'espère que vous avez déjà passé un bon début de week-end. Bienvenue évidemment aux anciens, aux nouveaux abonnés. Je laisse pour l'instant les commentaires soumis à modération. Bon, ça a l'air de s'arranger quand même, j'ai beaucoup moins de trolls. Mais enfin, à un moment donné, c'est vrai que j'avais une avalanche, hein. Ce qui n'est jamais très agréable. Mais il y a déjà beaucoup de personnes dont je ne modère plus les commentaires, voilà, notamment mes fidèles abonnés et membres. Alors, en ce qui concerne la revue de août ou d'août, il n'y avait vraiment pas grand-chose qui était sorti. J'avais dit qu'il y aurait un nom qui serait proposé en tant que premier ou première ministre. Bah, je pense que c'est Lucie Castet, hein, voilà. Après, j'avais parlé de. Enfin, en tout cas, j'avais sorti la motion de censure et puis c'était tout, quoi. J'avais rien eu de spécial, hein. Donc, franchement, bah, bof. Bon. Espérons que sur septembre, j'aurai davantage d'infos. Donc, je vais prendre le France Actu. Je vais prendre le petit oracle qui est très sympa, qui est l'oracle de la vérité. Mon oracle et la voix des anges de Kate. Alors. Bon, alors notre roi clé, notre usurpateur, là, notre empereur déchu, il est de plus en plus détesté, si cela est possible. Et puis je reviendrai sur la vision que j'ai eue, hein, après. D'accord? Bon. Je vous dirai ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On a des sanctions. Bon, ça s'est retourné. Normalement, le cadrage devrait être correct. Il est peut-être un petit peu plus. Attendez, j'ai baissé un peu. Ouais. Voilà, il était peut-être un peu plus haut. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de septembre, s'il vous plaît, en France? Alors, des contestations. Notamment par rapport à l'emploi ou le travail. C'est une vraie catastrophe, hein, ça. Bon. Des sanctions, des contestations par rapport au travail. Alors. Je vous ferai aussi une vidéo sur les histoires de violence, mais pour l'instant, on va regarder déjà en France. Donc, le mois de septembre, le mois de la rentrée. On va déjà mettre 5 cartes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Les transports. Bon. Des déplacements. Ah, ok. Une défaite, un non. J'espère que vous voyez bien, elles sont assez petites, les cartes. Alors, un incendie. Oh, d'accord. Et là. Un retard. Bon, ok. Alors j'ai aussi, en fait sur la carte c'est marqué aussi fuite, fuite, voyage, exfiltration, déplacement. Bon, quelque chose avec les transports. Alors moi en astrologie par rapport à la nouvelle lune qui a lieu début septembre, j'ai des aspects vraiment de blocage, hein, de blocage, de grève, d'impasse. Bon voilà. De refus, de déni. Donc, ça va être assez houleux ce mois de septembre. On va voir si on peut avoir une carte ici qui nous explique ces deux-là. Là. Et là. Ok. Faut pas en sortir de trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a assassinat. Ah, ça, je ne m'attendais pas à sortir ça, moi. Ok. Contrat criminel. Meurtre, exécution. Oh, dans les transports. Alors, il ne faudrait pas qu'il y ait encore un problème d'attente ou de violence par rapport à des transports, une personne qui serait agressée dans un bus, enfin, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? Résistance. Ok. Sur l'incendie, tiens, on a les USA. Alors, ça m'embête parce que j'étais en train de faire la France, moi. Bon, j'ai incendie USA, d'accord? Donc, on va les mettre de côté. Et là, j'ai nouveau gouvernement. Ah, alléluia. En retard. Alors, retard, nouveau gouvernement. Bon, bah, l'autre, il va se décider quand même. Donc, nouveau gouvernement en retard, ok? Alors, information importante. Alors là, je ne sais pas. Si c'est échec de la résistance ou si c'est la résistance qui dit non. On va essayer de voir un petit peu. Alors, le déplacement et la dernière ici. Mais j'aurais peut-être rien d'autre. Hein. Bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Les enfants. Les sanctions.
la résistance. Alors, je pense que c'est la résistance. Je pense que c'est une résistance par rapport aux enfants. Parce que vous savez qu'en plus, ça tombe bien à partir de septembre. Enfin, ça tombe bien, façon de parler. À partir de septembre, il y a les fameuses 15 piquettes, là. Vous savez, pour les tout-petits, justement. Et c'est la carte des petits-enfants qui est sortie. Donc, la résistance, en plus, c'est... vous savez qui c'est, hein. C'est cette dame qui s'est beaucoup élevée contre les piquettes. Voilà. Donc, c'est intéressant que cette carte soit sortie. Non, un non... Un nom pour les piquettes concernant les petits. Par contre, j'ai quand même des sanctions. Alors, il est possible que la résistance qui dit non, eh bien, soit sanctionnée par rapport à ce qui a été décidé par rapport aux petits. Ce qui est un crime abominable. Hein. C'est terrible ce qui se passe avec les enfants. Vraiment terrible. Là, c'est là où les millions de gens devraient sortir. C'est pas pour des questions politiques, vous voyez. C'est vraiment pour aller défendre les petits. Je vais quand même remettre encore une carte. Parce que ça, je sens que c'est important. Bon, alors après le crash, bon, on s'en fiche. Excusez-moi, mais bon, j'aurai rien d'autre là. Alors, ici, alors j'ai une hausse et j'ai le déplacement. Alors, ça peut être un déplacement en hauteur. Vous allez me dire, bah oui, il y a l'hélicoptère. Bah, je sais pas, j'ai quelque chose avec des montagnes. Et là, bon, bah... Sans étonnement, hein. Sans étonnement, les francs, les maçons menteurs. Les maçons menteurs. Alors, attendez, je vais quand même encore remettre une carte là. Le gaz et le pétrole. C'est bizarre, j'ai un déplacement, mais j'ai aussi quelque chose en relation avec le gaz et le pétrole. Là, j'ai un problème dans les transports. J'ai les mauvais, là, les sociétés occultes. Ce qu'ils viennent faire là, eux, qui veulent provoquer la division. Attendez, je vais mettre mes mains comme ça. Ah oui, la dégradation climatique. Bon, on a un peu de tout. Hein. Bon, on a un peu de tout. Donc là, je vais arrêter. Alors, réfléchissons. Bon, moi, je pense qu'effectivement, on va nous reparler encore du climat. Parce que ça a été mis en scène par ces gens-là. Vous savez, la dégradation climatique et nanana. Tout ça pour provoquer aussi... une division dans la population, mais il y a quand même des gens qui vont s'élever par rapport à toute la dictate du climat, je pense. Ici, on a quelque chose dans les transports. Bon, bah, moi, je pense qu'il pourrait y avoir encore une agression parce que j'ai meurtre... Attendez, j'arrive pas à lire. Ah, ouais. Bah, meurtre, hein, c'est marqué. Hein. Bon. Donc, quelque chose de violent par rapport au transport. Dans les transports. Alors, un voyage en relation avec des histoires de gaz ou de pétrole. Des gens, la résistance qui s'élève contre les piquettes qui vont être faites aux enfants à la rentrée, qui vont passer de 11 à 15. Mais il y a des sanctions. Et là, un gouvernement en retard. Ah oui, alors du coup, j'ai pas recouvert. Là. Un gouvernement en retard. Bon, pour ce que ça va changer, de toute façon. Mais bon, qu'est-ce qu'on a? Interdiction. Ah, bah ça commence bien. Interdiction de quoi? Élection. Alors là, ça se complique. Attendez, j'ai une carte qui est tombée. Interdiction, élection. Donc moi, j'ai l'impression que ce nouveau gouvernement qui arrive en retard... ne va pas faire l'unanimité, hein, parce que j'ai quand même un sens interdit, donc c'est comme un veto, en contradiction, enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui va être en contradiction avec ce qui avait été décidé dans les urnes. J'ai l'impression que le nouveau gouvernement ne va pas du tout plaire. Bon. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher le hors aura. Et on va essayer d'avoir peut-être d'autres infos. Donc ça, c'est vraiment le France Actu. Hein. Donc c'est le jeu politique, là, d'accord? Alors, on va commencer tout de suite par le nouveau gouv. Ici, on va regarder ce qu'il y a sur les petits. Là, ce voyage en relation avec le gaz ou le pétrole, je vais en mettre que une. Là, le problème dans le transport. Et là, les histoires de climat.
Ok. Alors là, disparition et arrêt fin et offrir. Ah ben d'accord. Bon. La mort. Bon, il y a quelque chose de très violent au niveau du gouvernement, là. Hein. Ouais. Bon, moi, ma première idée, c'était qu'on allait offrir éventuellement des places au gouvernement à certaines personnes et que d'autres allaient vraiment disparaître. Mais on va demander, est-ce que ce gouvernement... Ou alors c'est le nouveau gouvernement qui va décréter que c'est la fin des faveurs, la fin des aides. Attendez, on va demander un petit peu, est-ce que ce nouveau gouvernement va être bien accepté? Bon, alors, manifestation, vous voyez, là, manifestation, c'est qu'à mon avis, les gens ne vont pas être contents par rapport au nouveau gouvernement. Et on va regarder pourquoi j'ai disparition. L'enthousiasme. La fin de l'enthousiasme, ouais, donc il ne va pas faire l'unanimité, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a? Avantage. Vous voyez? Alors, le nouvel gouvernement va vraiment découper dans tout ce qui est avantage. Bah, c'est marqué là, hein. Donc, ils vont faire une coupure dans les aides. Voilà. Donc là, effectivement, la fin de la joie, la fin de l'enthousiasme, si on peut dire. Et de nouveau, des manifestations par rapport à ce nouveau gouvernement qui va être assez violent, apparemment, dans sa nouvelle politique, hein. Il y a quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Une attente. Vous voyez, protection. Ouais. Défense et protection. Bon, bah, ça va bien avec les histoires de résistance par rapport aux petits. Donc, il y a des gens qui vont essayer de temporiser les histoires de piquettes pour les enfants, hein. On va regarder pourquoi j'ai sanctions. Bon, l'été, les 3 mois, oui. Ah, peut-être de retarder ou de demander des délais pour éviter que les petits ne soient, vous savez quoi, soupés avec 15 cuillères à soupe. Ouais, bon. Genre rien d'autre, hein. Mystère, vous voyez. Il y a des choses qu'on ne sait pas là. En tout cas, des gens qui vont monter au créneau concernant certainement les piquettes pour les petits et qui vont demander vraiment des délais. Parce que il y a quand même quelque chose ici avec les sanctions, hein. Donc des gens qui vont essayer d'éviter justement les représailles si ils ne respectent pas les 15 doses de soupe pour les petits, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, alors là, c'est embêtant parce que j'ai des pénuries par rapport à tout ce qui est gaz et pétrole. Donc il peut y avoir effectivement des déplacements en ce sens de notre cher chef pour aller voir un petit peu comment la France va pouvoir voilà, se chauffer cet hiver. Hein. Là, vous voyez, j'ai manque et perte. Il y a un truc avec les énergies, d'accord? Ça, c'est une information importante. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a du chagrin. Bon, alors il y a un problème, effectivement. Un problème, un acte criminel dans les transports. Moi, c'est ce qui sort, hein. Alors, pareil, on va encore nous raconter des histoires là-dessus, parce que là, j'ai encore les histoires d'apparence. Bon, alors après, on sort les histoires d'argent. Bon, ok, donc ça, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Concentration, réflexion. Bon, alors ils sont en train de nous préparer quelque chose par rapport au climat. Ouais, et par rapport à l'alimentation. Bon. Bon, j'ai rien d'autre. Ok? Bien, bien. Donc maintenant, on va prendre plutôt mon oracle. Et on va demander un petit peu par thème. Hein, parce que septembre, il va y avoir la question du budget qui va se poser, par exemple. Moi, j'avoue que. Je ne suis pas du tout optimiste, comme d'habitude. Hein. Ce que je vous ai dit, hein, j'ai fait des études financières et économiques, et donc les questions de budget, ça me connaît. Et je pense que là, c'est la grosse catastrophe. Bon, bah, regardez, voilà. Alors, ça, c'est un sauvetage. J'ai l'impression que vous n'avez pas de lumière. Ah, ça m'énerve. Attendez, je vais mettre de la lumière. Voilà, ça devrait être mieux. Alors.
Ouais, là on essaie de renflouer, hein. C'est un peu renflouer le Titanic, c'est un bateau qui coule, et là on essaie de trouver des solutions pour éviter qu'il coule. Bah, c'est exactement ça. Bah voilà. Bon, moi je trouve que ça devrait vraiment être la porte de sortie pour le gouv, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit de dilapider l'argent public comme ça, notamment bah, qu'il n'y a aucune amélioration au niveau des hôpitaux, des écoles ou autre chose, hein. Donc vraiment, on se demande, mais où passe l'argent, quoi? Pour les gens qui meurent sur les brancards, c'est... Là aussi, les gens devraient sortir par millions, hein. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Attendez, excusez-moi, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau du budget? Ah ben, je vais arriver. Voilà. Alors, le budget. Les sous. Bon, alors, au petit bonheur, la chance. Oui, bah, sans surprise, hein, petit bonheur, la chance, là, on ne sait pas où on va, hein, mais il y a des entourloupes. Bon. Des torsades, comme dirait Isabelle, de guidance de nuit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le budget, le foutu budget? Mais moi, je suis sûre qu'il a fait la dissolution parce qu'il ne savait pas comment refiler la patate chaude du budget, hein. Là, s'il y a un nouveau gouvernement, il pourra toujours dire, bon, ben, c'est votre problème, vous vous débrouillez. Voilà, c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est parce qu'il ne voulait pas assumer toute la dette. Oh, puis il doit y avoir autre chose hein, aussi. Hein, mais moi, je pense vraiment que c'est ça. Alors, oui, le sous, j'allais dire le budget. L'état des finances, qu'est-ce qui va se passer? Les finances en France. Alors, bonne récolte. L'appel des sirènes. Bon, il y a bien des gens qui vont partir. En tout cas, il y a un départ. La voie de la raison. Oui. Alors, comment faire pour trouver une bonne récolte? Ok. Ben oui, les caisses sont vides. Alors, j'aurais pu avoir ça aussi, hein. Les caisses sont vides. Le frigo est vide. Il n'y a plus rien. Ah, il y a Jésus. Ah, j'adore cette carte. Bon, elle est belle. Alors, on va la mettre là parce que l'appel des sirènes. Alors, je ne sais pas si c'est des questions de religion ou pas. On va voir. Enfin, j'étais sur le budget, moi. Bon, la résistance. Ah, la résistance qui demande le départ de qui vous savez. Voilà. Là, les gens, ils n'en peuvent plus. Hein. Et là, bah, qu'est-ce que je vous disais? Bon, on est dans le thème. Ça va. On est dans le thème. Je n'étais pas sûre de trouver une. Enfin, d'avoir une carte qui parle de soucis. Là, vous voyez, en fait, il faut absolument écouter la voix de la raison et arrêter le gaspillage. Ouais. Mais enfin, je n'ai pas l'impression qu'ils vont le faire, moi. Bon, en tout cas, vous voyez que vous avez quand même la carte du frigo vide. Donc, les caisses sont vides, hein, en quelque sorte. Là, ben, ils ont récolté, ils ont récolté, ils ont récolté tout ce qu'ils pouvaient, hein, mais ça ne suffit pas. Et là, la voix de la raison, ben oui, qu'est-ce qu'ils ont fait du sou? Des sous, pardon. On va essayer de voir un petit peu sur quoi ça va déboucher tout ça. Je vais voir ce qu'il y a sur Jésus et les sirènes. Et ici, alors, les collabos. Bah, sans surprise, encore une fois, c'est les gens qui sont au gouv, qui, au lieu de protéger le peuple français, vous avez les moutons derrière. Vous savez pourquoi j'ai choisi les moutons? Ben parce que, par exemple, pour Jésus, on est un troupeau. C'est le bon berger. Voilà. C'est pour ça que j'ai représenté le peuple français sous forme de mouton. Alors, c'est pas une allusion désagréable. Pas du tout. C'est parce que, ben, pour moi, le mouton, c'est pas un animal... sauf c'est les moutons de Panurge. Mais enfin, sinon, le mouton, en général, c'est plutôt un animal pacifique qui veut simplement vivre en paix. Voyez? Et là, on a les collabos qui, au lieu de s'occuper donc du peuple... Eh bien, le trahit. Donc là, il y a des collabos qui ont vidé les caisses. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Aïe. Bon, alors là, ça crame. Ouais, là, ça crame. Alors, ça ne dit pas la solution. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors ça, c'est étonnant. Et là, là aussi. Bon, il y a quand même quelqu'un qui s'en va, là. Il y a quand même un départ. Hein. Apparemment, la résistance va permettre le départ de une ou plusieurs personnes. Je n'ai pas les noms. D'accord? J'ai quelqu'un qui s'en va. Alors là, par contre, c'est plus embêtant, cette carte-là. Ouais, là, c'est plus embêtant. Parce que j'ai un appel des sirènes. Moi, je pense que c'est un appel des sirènes contre le christianisme. Puisque là, on a quelqu'un qui se prend pour Dieu et qui essaie de changer, voyez, les lignes de temps
Donc, d'influer sur le destin. Il y a un complot contre le christianisme. Enfin, vous le savez quand même. Regardez ce qui se passe en Angleterre. Le mot église a été interdit. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le scandale des JO. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les églises qui sont fermées, profanées, incendiées, etc. etc. Pourquoi ? Bah parce que, comme vous l'avez certainement compris, ils veulent absolument permettre l'arrivée de l'antéchrist, qui devrait arriver d'ici, effectivement, 2029-2030. Peut-être même avant, mais enfin, c'est plutôt là que je le vois vraiment être établi, moi. Ok ? Bah oui, c'est biblique, hein. On n'y peut rien, hein. C'est comme ça. Voilà, et là, je vois quand même qu'il y a un appel des sirènes. Alors, évidemment que c'est un piège, hein. C'est un danger, pour virer Jésus, quoi. En gros, c'est ça. Hein. Bon. Alors, je sais que c'est pas le budget, c'est pas du tout la question, mais c'est comme ça. Moi, j'ai plus rien, ça sort. Alors. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, apparemment, il y a un truc mondial, là. Ici. Vous voyez, regardez comme c'est. Ouais, ben voilà, c'est ça. Alors, ça, c'est le personnage de l'ombre. Souvent, il sort dans mes cartes, mais moi, je pense que c'est ce fameux antéchrist qui est encore caché, qui ne peut pas se dévoiler. Il ne se dévoilera que lorsqu'il y aura le début des tribulations, c'est-à-dire que lorsqu'il y aura le déclenchement d'une troisième guerre, pas avant. C'est pour ça qu'il est caché. Bon, alors, il s'interpose dans mon jeu, il m'énerve un peu, parce qu'il n'a rien à y faire. Bon, alors là, vous voyez, il y a des gens... Ou plutôt des ministres, je pense, ou je sais pas. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui vont partir, quitter le gouvernement et qui sont dans le déni du mauvais travail, enfin, de la destruction faite, en fait, hein, tout simplement. Hein. Et moi, je pense que c'est les gens, là, qui vont contester, qui vont demander le départ de certaines personnes parce que ils ont mis la France dans un état pas possible, quoi. Bon, alors là, on a les devoirs à faire, mais ça crame. Bon, j'ai pas de solution, là, pour l'instant. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour remplir les caisses? Puis, il y a un problème mondial, en plus. Ah, ben, regardez, voilà. Ouais, non, il y en a un qui se barre, là. Je sais pas qui c'est, mais il y en a un qui dégage, hein. Oui, enfin, alors, du coup, j'ai sorti le niveau mondial, moi. Mais pourquoi j'ai sorti le niveau mondial? Qu'est-ce que ça vient faire, là? Pourquoi est-ce que j'en ai un qui dégage? Il y a encore un crash. Alors, de qui on parle, là? Il y en a qui dégage. Ouais, qui crache, qui dégage. Alors, protection des femmes et des enfants. Ouais, alors, je sais pas. Écoutez, sur septembre, j'ai une information un peu bizarre. J'ai quelqu'un qui s'en va, qui dégage, qui crache. J'ai les caisses qui sont vides, mais j'ai quelque chose de mondial. Là, vraiment, les gens en ont marre. Je pense que c'est par rapport à la violence. Là, les gens veulent qu'on protège les femmes, les enfants, bon, les personnes faibles, quoi, tout simplement. Hein. J'ai toujours pas la solution par rapport au budget. Moi, je suis désolée, j'ai rien. Hein. Non. Ah oui, bon, là, c'est le nouveau gouvernement. On prend des gens à bord, hein, oui. Et c'est quoi les solutions au niveau des sous, alors? Bon, la propa. Ah, c'est pas la réponse. Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bon, ils vont faire des erreurs. Bon, ok. Ils vont pas trouver les bonnes solutions. Ça. Alors là, ils savent pas. Ou alors, il y a un secret. Oui. Et quoi d'autre? Non. Par contre, il y a l'opposition qui progresse. L'opposition qui va se servir de la dette pour progresser certainement dans les sondages. Mais j'ai quand même beaucoup de tristesse. Bon, alors après, j'ai des gens qui s'en vont. Ah tiens, il y en a qui vont aller rejoindre la Ruru, à mon avis. Ouais. Il y a des gens qui vont rejoindre la Russie. Pardon, enfin, j'aurais pas dû dire le nom, bah, tant pis. Et l'Union des BRICS, certainement. Bon, écoutez, pour les sous, je sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'ai juste vu qu'ils allaient couper dans les aides. J'ai rien d'autre au niveau des sous, hein. Non. Bon, faut pas en tirer de trop non plus. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les événements importants, on va demander... À l'oracle des anges de Kate. Je pense que septembre, ça va commencer à bouger fortement. Mais moi, c'est plutôt octobre-novembre. Où là, je verrai des choses
vraiment violente. Alors, l'Ukraine. Ah, bah tiens. Ah, la faim. Ah, bah alors, c'est cash, hein. La faim de Lucre. Enfin, la faim. Ouais, la faim de Lucre. Bah, je sais pas, j'ai un truc là qui s'arrête, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des événements importants sur septembre. Alors, la compassion, sinon. Bon, alors là, les gens, ils n'en peuvent plus du président. Ah ouais, non, là, là ils veulent qu'il parte. Hein. Ouais. Alors, j'ai de la compassion. Un changement. Voilà, la compassion, j'en sais pas plus. Mais par contre, là, les gens, ils veulent un changement par rapport à qui vous savez. Ah ouais, là, ils n'en peuvent plus. Il est détesté, haï, honni, refusé. Enfin, bref. Voilà, c'est clair. Septembre, c'est. On veut qu'il parte. Hein, je vous résume. Je sais pas pourquoi j'ai de la compassion ici ou de l'aide. Ah, par rapport à des questions de santé. Oui. Ou de maladie. Aïe, aïe, aïe. Ouais, là par contre, au niveau de la santé, c'est pas bon. J'ai une organisation ou une secte. Et alors? Cadeau. Invitation. Bon, consultante, on va l'enlever parce qu'il n'y a pas de personne spéciale. Emploi. Bon, moi j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être l'organisation que vous connaissez de la santé qui va peut-être faire l'emploi ou qui va travailler à nous faire des cadeaux ou nous inviter. Nous inviter justement à prendre soin de notre santé par le biais de quoi? Par le biais de la soupe peut-être. Je suis obligée de mettre les cartes comme ça, je suis désolée. Par contre, ça ne marchera pas. D'accord? Bon, donc une campagne de soupe. Sur septembre, ok, voilà, une fausse compassion, les gens qui vont réclamer le départ de qui vous savez, ah, il va y avoir des compromis qui vont être faits, donc il va devoir faire des compromis en fait, il va devoir faire des compromis, ce qui pourrait d'ailleurs compromettre son indépendance, hein. Oui, oui, parce que les gens veulent que la gauche arrive. Enfin, c'est une aberration parce que ouais, bon, elle a pas mal aimé dans les coms, hein, mais le programme de gauche, le programme de financier, ne tient pas la route, hein. Bah, je vous le dis quand même, hein. Le SMIC à 1600 euros et la retraite à 60 ans, c'est pas possible. Voilà. L'argent, la France n'a plus de sous, donc faut arrêter de rêver. Mais là, il y a quand même des compromis qui vont devoir être faits et donc beaucoup de discussions. Bon. Ouais, bon, on a d'accord, on temporise. Mais j'ai quand même la fin de quelque chose. J'ai la fin de quelque chose sur l'automne. Alors, la fin de quoi? Ah, j'ai une accusation qui arrive. Hein. Écoutez, ça pourrait être vraiment la fin de règne. Hein, ouais. Je sais pas, il y a un truc qui arrive sur septembre qui pourrait vraiment concerner notre chef-chef, hein. Voilà, pardon. Parce que j'ai quand même un arrêt, une fin, un décès, une accusation, une trahison. Donc, même s'il veut faire, ou il cherche à faire des compromis, il y a quand même quelque chose qui se complique pour lui. Hein. Donc, une situation compliquée pour le chef, avec des histoires d'accusation et de trahison. Voilà, il va essayer de trouver un compromis, peut-être pour rester, mais ça va devenir de plus en plus compliqué. Ok? Bon, alors... L'autre chose que je voulais vous dire, alors c'est amusant parce que Nanou a dit la même chose que moi. Alors, moi j'ai fait ma vidéo, c'était « L'été sera chaud dans les maillots », enfin vous regarderez la date, hein. C'était il y a quelques jours. Et tout à la fin de la vidéo, je vous ai dit que j'avais fait, alors j'ai pas fait un rêve, non c'était pas un rêve, j'ai eu un flash. Alors un flash c'est quelque chose que l'on a quand on est en pleine conscience. Donc j'étais comme là maintenant quand je suis en train de vous parler, et j'ai une vision. Et j'ai eu la vision de la terre qui s'ouvrait, mais le gros truc, hein, et une masse d'eau qui arrivait. Bon, donc tremblement de terre avec ben, de l'eau. Donc ça peut montrer un tsunami, hein, quelque chose comme ça. Et ce qui est amusant, c'est que Nanou, dans une de ses dernières vidéos, dit la même chose. Elle a vu aussi un tremblement de terre. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il y a une troisième personne, alors c'est le père, je crois qu'il s'appelle Pétard, non, je vous assure, il a un nom pas possible, qui dit également qu'il y aura un tremblement de terre. Alors, si on est quand même trois personnes, et en plus Nanou, elle a dû avoir son rêve, ben, en même temps que moi, j'ai eu ma vision, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, pourquoi,
Pourquoi est-ce que moi j'ai eu cette vision-là? Bah, c'est que je pense que le tremblement de terre va toucher l'Europe. Parce que des tremblements de terre, il y en a. Hein. Il y en a eu en Japon, là, au début août. Enfin, il y en a régulièrement, quoi. Mais je n'avais pas eu de flash jusqu'à présent. Alors que là, j'en ai eu un. C'est qu'il y a un gros truc qui arrive. Donc, on va essayer d'explorer ici. Alors, je ne sais pas si ça va sortir. Hein. Ça sort jamais comme on veut. Hein. Mais on va voir si on peut avoir des infos. Je sais pas. En tout cas, le père, c'est vraiment pétard, le père pétard disait que ça allait toucher l'Europe. Bon, moi, ça m'étonnerait pas. Hein. Donc, on va voir. Est-ce qu'on peut nous dire davantage sur la vision que j'ai eue? Je ne sais pas du tout ce que je vais vous sortir, on va voir. Alors, bon, j'ai quelqu'un qui est malade, j'ai un combat. J'ai l'inversion des valeurs. J'ai une malchance. Bon, alors, c'est-à-dire, pour l'instant, ça ne me parle pas de tremblement de terre. Mais ça me parle que tout est à l'envers et qu'il y a effectivement vendredi 13. Donc ça, c'est la malchance. Alors, j'ai des histoires avec de l'eau. Les foyers, les maisons. Ouais, non, pour l'instant, ça ne me parle pas de tremblement de terre, vous voyez. Non. Par contre, il y a quelqu'un qui va tomber malade là. Il y a de la bagarre, des problèmes dans la population. Le mouton qui commence de plus en plus à se réveiller parce que là, tout est inversé. Hein. Vous avez vu que la veuve là, de ce gendarme là, qui est décédée suite à un refus d'obtempérer, cette pauvre dame, au lieu d'avoir de la compassion et du soutien, elle a été injuriée sur les réseaux. Mais moi, j'en peux plus, quoi. Franchement, ça devient de pire en pire. Les gens sont immondes, vraiment immondes. C'est honteux. J'en peux plus de ce peuple. Hein. Vraiment, là. Bon, en tout cas, moi, je veux de la bagarre dans la population, de la violence. Bon, ben, j'ai pas sorti mon tremblement de terre. Hein. Ben, c'est qu'on n'a rien d'autre à me dire. Hein. Qu'est-ce que les gens vous disent? Ah, ça, c'est marrant parce que j'ai quand même quelque chose à l'Élysée. Hein. J'ai quelqu'un qui est malade, là. Tiens. Attendez. Oh là! Bon, alors quelqu'un de Satanas qui est malade et qu'il va devoir s'éloigner. Tiens, je ne sais pas pourquoi. Bon, bah écoutez, prenez l'info, hein. Quelqu'un à l'Élysée qui est malade et qui va devoir s'éloigner. Point. Alors, ici, oui, alors une population qui devient de plus en plus agressive parce qu'il y a de plus en plus de personnes dans la rue, dans les rues, pardon, qui perdent tout. Hein. Ça, c'est les sans-logis. Le mensonge, l'inversion des valeurs. Voilà, on nous ment, on nous manipule. Et là, le mouton commence à se réveiller. Bon, bah, j'ai rien d'autre. J'ai pas de. Ah, une épée de Damoclès encore. Hein. Ah, ça, c'est drôle. Alors, j'ai un homme là et un homme là. Avec une histoire de catastrophe ou de malchance. Bon. Ouais, avec des histoires de médicales. Bon, bah, j'ai rien d'autre sur le tremblement de terre. C'est que j'ai rien d'autre à vous dire. À ce niveau-là, je vais quand même sortir rapidement. Ça fait combien? Ouais, ça va, j'ai encore le temps. Est-ce qu'on peut nous dire quand même si on aura un tremblement de terre? Alors, au niveau astrolo, je dirais attention en novembre et attention sur le printemps 2025. Je ne sais plus si c'est février ou mars. Enfin, début du printemps, quoi. Il y a un truc. Ouais. Alors, est-ce qu'on va avoir effectivement un tremblement de terre? Voilà ce qu'il me dit. Alors, j'ai un accord. Bah, non, pas vraiment, là. Pas du tout, même. Non, pas du tout, du tout. Non, là, il ne m'a pas répondu. Ou alors, c'est qu'il y aura un moment de calme. On va regarder. Alors, la nature. La crainte. Ah, j'ai quand même quelque chose. Alors, moi, ce que j'avais vu avant, c'était la paix. La paix et l'amour, hein. Ou l'idylle, c'est que ça me fait penser quand même que. Ah, ce que ça peut être le 14 février. Bah oui, vous voyez, hein? La Saint-Valentin. Parce qu'effectivement, en février, j'ai un sale aspect. Hein. Ah ouais, j'ai un sale aspect astro. Et là, j'ai quand même ici la nature. Alors. Il faudra regarder les oiseaux, parce que là, j'ai les corbeaux et l'épouvantail. Il faudra regarder ce que font les oiseaux. S'il y a des oiseaux qui s'envolent, des oiseaux. Enfin, qui s'envolent.
c'est pas bien exprimé. S'il y a un départ, si les oiseaux partent, ça peut être un signe. Retraite et repli, oui. Il y a quelque chose au niveau des oiseaux. Ah bah regardez, voilà. Attendez, dans l'autre sens. Voilà, bah c'est ça. Démolition, déchéance, dévastation, effondrement, affaiblissement. Oui. Bon, bah je dirais attention février. Après, bon, bah voilà, c'est que de la cartomancie. Hein. Quelque chose en hauteur. Quelque chose qui prend de la hauteur. Alors, par rapport à des choses qui sont usées, bon. Mais il y a une tromperie derrière. Ouais. C'est curieux. Coup de balai. Je me demande si ce sera vraiment naturel. Est-ce que ça va être naturel? Parce que vous savez, maintenant, on peut déclencher des catastrophes comme ça. Hein. Alors, j'ai un trafic ou des affaires. Des ventes. Ah, j'ai pas l'impression que c'est naturel, moi. Non, regardez, j'ai le diable. Les affaires du diable. Échange avec le diable. Bah, c'est en fait, ça va être un pacte avec le diable. Voilà, c'est marqué là, hein, échange, affaire. Donc, ça va être voulu. Alors, je sais pas si le diable utilise des machines, mais enfin, hein, il a quelque chose à y faire. Hein. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Et pourquoi faire? Alors, le cœur, le couple, la prudence, la méfiance. Alors, la méfiance par rapport à l'union pour désunir les gens. Ouais. D'une certaine façon, c'est fait pour désunir les gens. Ouais, réussite. Je ne peux pas vous dire de trop, mais c'est marrant. C'est comme si ce tremblement de terre allait être fait exprès. Bon, donc c'est tout ce que je peux dire. Je peux bien encore tirer une carte sur le pourquoi du comment, mais j'aurais rien d'autre à mon avis. Moi, je dirais que c'est quelque chose qui va être provoqué. Alors là, on met du feu, on allume un feu. Tiens, tiens, c'est marrant, c'est par rapport à quelqu'un. Ah, la comète. Ah ouais, il y a un truc qui arrive. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, elle nous avertit bien d'une catastrophe naturelle, entre guillemets, parce qu'encore une fois, les catastrophes naturelles, elles peuvent être aussi provoquées. Hein. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on a un homme sur un homme qui va être satisfait. Ah bon? Ouais. Je sais pas. C'est comme si c'était pour favoriser l'accession au pouvoir d'un homme. Et là, j'ai bien quelque chose qui se craquelle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Attendez, je comprends pas. Oh, j'ai l'enlèvement. Bon, en tout cas, ça va provoquer beaucoup de décès. Hein. Ouais. Il y a bien une catastrophe hein, qui arrive. Hein. Oui, il y a une catastrophe qui arrive. Bon, bah écoutez, c'est apparemment c'est en relation avec, avec un homme qui voudra avoir le pouvoir. Alors, je sais pas comment ça se goupille, tout ça. Bon. On ne sait pas tout non plus. Hein. Mais en tout cas, c'est politique. Voilà. Est-ce que c'est pour empêcher les élections? Parce que ça a touché l'Europe, mais à mon avis, il y aura aussi une catastrophe aux US. Ouais. Voilà, voilà. Alors, cette histoire de catastrophe, encore une fois, je ne crois pas que ce soit sur septembre, en tout cas, pas pour le tremblement de terre, je vois ça plus tard. Par contre, au niveau des élections américaines, à mon avis, on va avoir des événements inattendus. Ouais. Je ne crois pas qu'ils laisseront Trump revenir, hein. Ça m'étonnerait. Hein. On verra bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et puis à bientôt. Au revoir.